Je dirais que quelqu'un est entré, monsieur l'ambassadeur. Quel est ce bruit? Les renseignements de ce dossier ne doivent pas être sortis de cette maison. Informez la police que nous avons un visiteur nocturne. Descendez. Sergent Fairfax, services spéciaux. Alors, où est-il? Je ne sais pas de quoi vous parlez, sergent. Le voilà, sergent. Vous perdez votre temps, sergent. Je n'ai pris aucune photo. C'est difficile sans pellicule. Sharon MacCready. Comme les deux autres champions, elle est dotée de qualités physiques et mentales surnaturelles.
je vous prends. Aïe, oh. Au cours d'une mission avec Craig Sterling et Richard Barrett, Sheron MacReady a été doté de possibilités physiques surnaturelles par les représentants d'une civilisation perdue au fond du Tibet. Ils ont été sauvés après un accident d'avion. Mais ils doivent garder ce secret. Un secret qui leur permet d'user de leurs dons pour le bien de tous en tant que champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Là, on dirait qu'il prend un objet métallique, je crois. Un stéthoscope. Et le déclic de l'appareil photo. Nous sommes sûrs de ce point. D'accord. Alors comment s'est-il débarrassé du film? En se basant sur ce chronométrage, c'est impossible. Et si on parlait de ces documents, que contenaient-ils? À ce qu'il paraît, des instructions ultra-confidentielles pour leur ambassadeur à Londres. Et sûrement sur le traité de défense entre nos pays. Les instructions données à l'ambassadeur intéresseraient qui? À part, bien sûr, le gouvernement. Oui, et c'est précisément le point de vue de l'ambassadeur. Il a accusé sans détour les services secrets de ce pays d'avoir monté toute cette affaire. C'était vrai? Eh bien, le gouvernement a nié tout de suite que ses agents y soient mêlés. Et bien sûr, les autres ne veulent pas le croire. Non, ce qui étant donné les circonstances n'est pas surprenant. Qu'ont-ils décidé? De rompre les négociations actuelles avec la Grande-Bretagne. C'est une excellente nouvelle pour tous les pays qui essayent de leur vendre des armes, non? Oui, voyez-vous. Le fait est que dans des régions aussi explosives que celle-ci, si un pays essaie d'acheter des armes, les autres en font autant et la guerre risque de suivre. C'est à nous, comme d'habitude, de l'empêcher. Ce qu'il faut savoir, c'est si Westermann travaille seul, pour le gouvernement britannique ou pour un autre gouvernement. Westermann? Paul Westermann. Un homme qui a un casier bien rempli. En ce moment, il est dans la prison la plus sûre de Londres. Il y restera longtemps? Encore 3 mois. À part un appareil photographique, il n'a rien emporté après l'expédition nocturne 2 semaines auparavant à cette ambassade. Rendons-lui une petite visite. Oh, je sais que tu as toujours aimé les pénitenciers, Craig. Alors je ne vais pas t'empêcher d'y aller. Et toi, où est-ce que tu vas? Mais l'important, Monsieur Barrett, c'est que nous ne croyons plus le gouvernement. Et Westermann n'a pas eu le temps de retirer la pellicule de son appareil avant le barrage de police. Ah ah, oui, vous y êtes. Vous pensez que lorsque la police a capturé Westermann, elle a trouvé le film? Est-ce que vous savez une meilleure explication? Non. Alors. C'est la seule que je vois, mais alors voudriez-vous me dire dans quel but le gouvernement arrêterait un de ses agents? En apparence, M. Barrett, en apparence seulement, ils l'ont arrêté pour égarer les soupçons. Ils l'ont mis en prison. Pour 3 mois. C'est-à-dire jusqu'à ce que les négociations soient terminées, et jusque-là, on nous refuse le droit de voir Westermann, et je ne l'ai jamais rencontré. Ils ont refusé? Oui, bien sûr qu'ils ont refusé. On m'a fait savoir poliment qu'au vu de la loi britannique, je n'ai aucun droit, non, aucun droit de le voir. Oui, j'admets que c'est bizarre. Mais si nous réussissions à prouver que Westermann n'a pas donné le film au gouvernement, est-ce que vous seriez vous-même prêt à continuer les négociations? Ah, c'est une hypothèse hasardeuse, Monsieur Barrett. Parce que je serais curieux de savoir comment vous allez interroger Westermann alors qu'il est hors d'atteinte au fond d'une cellule. C'est ici, Sterling. Installez-vous vite, on travaille dans une demi-heure. Le boulot se résume à se promener d'une pile de charbon à une autre pile de charbon. Mon nom est Westermann. Eh, hey, mon vieux, tu es muet? Sterling. Craig Sterling. Bel effort. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu parles toujours autant? Hé! Hey. Là, tâche d'aller à l'hôpital pour une extinction de voix. J'essayais de faire de l'humour. Cette histoire rocambolesque nous met dans une situation que vous pouvez imaginer, mon cher Tremaine. Oui. Sans la moindre difficulté. Nous avons déjà catégoriquement nié avoir eu connaissance des intentions de cet homme. Mais pensez-vous que leur ambassadeur nous ait cru? Apparemment non. Et je n'ai pas besoin de vous préciser, Tremaine, que nous autres, les services secrets britanniques, nous sommes dans une situation délicate. Un autre incident pourrait avoir à la suite de celui-ci des répercussions désastreuses. Oui, des répercussions désastreuses. Dites-moi ce que vous venez chercher ici, Monsieur Carrington. Oh, eh bien, une assurance. Laquelle? Mais que tout ce qui est possible sera fait. Oui, mais c'était inutile de vous déranger pour me dire ça.
Tremaine, je vous assure que nous n'avons rien à voir dans ce cambriolage. Rien du tout. D'accord. Alors donnez-nous le temps qu'il faudra pour tirer cette affaire au clair et considérez aussi ma situation. Nous n'avons pour l'instant aucune base solide pour ouvrir la discussion, M. Carrington. Voyons, aurions-nous coopéré de cette manière avec vous si nous avions pu être accusés de complicité? Je n'en sais rien. Et vous? Vous devez savoir dans quelle position nous sommes placés. Une position très embarrassante. Oui. Oui, je veux bien vous croire sur parole. Mais ça ne facilite pas du tout la tâche des agents qui travaillent pour moi sur cette affaire. Vous comprenez? Si tu veux quelque chose, il faut t'adresser à un dénommé Pickering. Il peut tout te procurer. Qu'est-ce qui fait sortir les lettres, c'est Pickering. Ou bien passe des livres, c'est Pickering. En fait, qui fait tout? Toujours Pickering. Il fournit aussi les carburants. C'est-à-dire? Oui, les cigarettes, la boisson. Demande à Pickering, il te donnera tout. Que fait Pickering encore? Hein? Que fait Pickering encore? Je suis vraiment impressionné. Tu as des provisions pour un siège? Un siège, ça dure longtemps. Moi, je partirai vite d'ici. Est-ce que par hasard tu connaîtrais aussi un moyen de sortir d'ici, Starling? Est-ce qu'on ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas essayer de trop en savoir sur ce que font les autres? Oh, j'essayais d'être amical. Alors fonde le cercle des cœurs brisés. Tu peux te servir. À la tienne. Tu sais ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Non, bien sûr. Mais s'il y a une chance, ça m'intéresse. Seigneur, le visiteur vient d'arriver. Fais-le vite venir. Monsieur Booker? Oui? Ce n'est pas facile dans ce pays de trouver un homme qui fait ce que vous faites. Vous êtes surpris? Non, j'apprécie. À dire vrai, les précautions m'ont toujours plu. Qu'attendez-vous de moi? Mes relations certifient que vous pouvez faire évader un homme de prison. Bah, essayez, en tout cas, si le prix est élevé. Je vous précise que votre prix sera le mien. Vous devez vraiment avoir besoin de lui? Oui, il détient un objet que je veux. Il s'appelle Paul Westerman, il est à la prison centrale de Londres. Amenez-le-moi. Alors disons, 80 000 dollars versés à la livraison. Entendu. C'est tout. Bon, Booker. J'espère qu'en affaire, vous êtes du genre muet. N'oubliez pas que vous n'avez aucune immunité diplomatique qui vous protège. Le gardien m'a dit que tu es écopé de 3 mois. Tu peux bien attendre jusque-là. Oui, mais je risque une accusation plus grave que je voudrais éviter. Désolé, je ne marche pas. Même pour de l'argent? Combien? Non, Sterling. C'est toi le vendeur, alors dis ton prix. Et quand sors-tu le lapin? Où trouveras-tu l'argent? Maintenant, tu poses trop de questions, Sterling. C'est moi qui te fais une faveur, Westerman. J'ai des payeurs. Les meilleurs. J'ai déjà entendu ça bien des fois. Avec des garanties. Pour me faire accepter ton offre, mon vieux, il me faut des preuves. Donne et redonne des preuves. Sarah? Sarah?
Sarah, tu devrais faire plus souvent de l'exercice. Ça me fait du bien. Intéressante visite? Oui, je crois que oui. Que veut-il? Simplement que je prépare une évasion, celle de Paul Westerman. Quelles sont ses relations avec Garcian? Franchement, je ne saurais le dire, mais j'ai eu la sensation qu'elles sont plutôt froides. Tu devrais te changer, j'ai un travail pour toi. Et quel travail? Une simple recherche de renseignements. Elle doit bien y avoir un rapport sur Westerman, la raison de sa condamnation, si elle est longue. L'ambassadeur semblait avoir quelques répugnances à donner des précisions. Et il faut que je rapporte tout ça? Oui, tu n'auras qu'à te servir de tous les moyens dont la nature t'a fait cadeau. Ah, et qu'est-ce que ces renseignements vont apporter? Je n'en sais rien, mais j'ai idée qu'on essaie de nous cacher une chose importante. Quand je m'occupe d'une affaire, je vais en connaître les dessous les plus secrets avant d'opérer. Ça, je veux bien le croire. Hey, tu peux venir m'aider? Hey, pas trop vite, je vais te parler, Westerman. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ne parle pas trop fort. Tu perds ton temps, Pickering. J'ai tout le tabac dont j'ai besoin. Mais je veux rien te vendre. J'ai un message pour toi. Il vient de l'extérieur. J'en ai mis à toi à payer pour que tu sortes de là. Où est-ce que vous vous croyez? On parlera à la librairie ce soir. Ce qui est réconfortant, c'est que c'est un travail utile. Je sais, hein? Non, rien, je pensais. Hé, hey, attendez un peu, vous deux. Je me demande à quoi ça leur sert. À passer le temps. Ouais. Ça va, Stirling, que se passe-t-il? Explique-moi. Pickering m'a dit qu'on voulait me faire évader. Il y a deux jours que je suis en prison et j'ai deux offres d'évasion. C'est une agence de voyage ici ou quoi? Une autre offre? Réfléchis, Westerman, c'est toi qui me l'as demandé. Tu veux que je dise oui à Pickering? Je m'en irai cette nuit. Le plan est bien au point. Tu peux m'accompagner. Mais si tu te décides, n'en parle à personne et reste à l'écart de ce Pickering. Est-ce que tu sais qui paie, Pickering? Il n'espère pas que je serai d'accord sans rien savoir. Je me moque de ces détails, Westerman. Je suis payé pour transmettre le message, pas pour te tenir la main quand tu t'évaderas. Parler à Westerman. Que dit-il? Il va falloir procéder avec beaucoup d'attention. Il semble que nous ne soyons pas les seuls.
Bonjour, mon père. Bonjour, mon fils. Oh, excusez-moi, mon père. Oui, oui, qui y a-t-il? Vous verrez O'Connor tout à l'heure. O'Connor? Oui, celui qui est au trou depuis une semaine. Ah oui, je vois, oui, oui, je vois. Oui, je pense que oui. Attendez, mon père. Peut-être voudrez-vous lui faire passer ça. Saint-Christophe en médaille. Très réussi, très réussi. Ça pourra peut-être lui apporter un soutien, n'est-ce pas? Oui, sûrement. Ses amis ont pensé que vous ne refuseriez pas. Oui, et il a des allumettes, je pense. Oh, ça, c'est pas un problème. Ah, c'est vous que je voulais voir. Bonjour, mon père. Que cherchez-vous? Le numéro 3896, Craig Sterling. Ah, c'est le nouveau. Oui, suivez-moi. Merci. Une visite pour vous, Sterling. Vous vous trompez de cellule, il n'y a aucun mourant dans celle-ci. Monsieur Sterling, je vous apporte la bonne nouvelle. Garde ta salive. Vous devriez être poli. Voici Westerman. Il fallait le dire tout de suite. Je boirai quand tout sera réglé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, tu peux parler devant lui. C'est fixé une heure après l'extinction des feux. Alors, on a les anges de notre côté, hein? Comment s'en ira-t-on? Je vous attendrai en voiture dans une des rues voisines. Tu sais qu'on partira à deux? Oui, je le sais. J'espère que tu es sûr de toi. Il nous paiera, oui. Il peut toujours faire des promesses maintenant. Oh, ne dites pas ça, mon père. Je vous le jure, je paierai. Vous paierez si vous avez de quoi le faire, parce que le prix d'un tel arrangement est plutôt élevé. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi donc régler ce point. En attendant d'être payé par son banquier, nous ne nous quitterons pas une minute. D'accord? C'est d'accord pour moi, Sterling. Très bien, comme tu voudras. Et une minute, vous deux. Quand ils éteindront la lumière, on sera enfermé dans la cellule. Je connais la routine, Westerman. Vous attendrez l'heure et ensuite... vous descendrez. Ah, très ingénieux. Ben, je crois qu'il ne vous manquera rien avec ça. Eh bien, alors, Craig... Soyez persuadé que mon aide sera bienvenue. Ma bénédiction vous accompagne. Eh bien, des choses pour cette nuit. Merci, mon père. C'est un bon présage. Ah, Sharon, je suis content de vous revoir. Alors, ce voyage? Parfait. Asseyez-vous, je vous sers à boire. Merci. Bonnes vacances? Oui, mais un peu trop courtes. Vous avez des nouvelles? Oui, j'en ai eu par Richard. Si tout va bien, il devrait s'évader de prison cette nuit. Alors, ça se passe bien avec Westerman? Pour l'instant, oui. Rien au sujet des photos? Non, je ne m'attends pas à prendre de nouveaux renseignements avant qu'il ne saute le mur et soit dehors. Et voyez-vous, je crois qu'il vaudrait mieux que vous vous rendiez vous aussi à Londres. Mais il se débrouille très bien. Oui, et je veux qu'il continue comme ça. Le temps n'est pas de notre côté dans cette affaire et nous devons résoudre ce problème d'urgence. J'ai le temps de finir de boire ce verre? Oui, vous avez encore 5 secondes. Allons-y. Surveille le couloir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qui est-ce qui donne les ordres? Chut. Toi qui as arrangé ça? Une diversion, c'est tout. Avec Pickering? Oui, avec Pickering. Je croyais t'avoir dit de ne pas parler de ça. Cet engin-là est du genre bruyant, non? C'est justement pour ça que j'ai patienté jusqu'à l'heure de la relève. Alors ça ne nous arrange pas.
Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça y est, ça y est. Vas-y, descends du parapet. Écoute, Westerman, si tu as le vertige, évite de regarder le sol. Reste plaqué contre le mur pendant la descente, d'accord? Oui. Commence. Sterling, ne me laisse pas là. Non, personne ne va t'abandonner, Westerman. Nous allons nous arranger autrement. Oui, comment? Sterling. Je vais t'attacher à la corde. Et je te descendrai jusqu'en bas. Ah non, pas ça. Non. Non, je ne veux pas. Non. Non, non. Non. Ah, non, Sterling, pas ça. Non, 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 Sterling. Sterling, non, Sterling. Oh. Allez, sors de là. Si vous y tenez. Où est-ce qu'on va ?
suis-moi. Allez, montez, tous les deux. Entrez, messieurs, je vous en prie. Sarah, verse à boire à nos invités, tu seras gentil. Ah, c'est parfait. Asseyez-vous. Allez-y, installez-vous confortablement et si l'un de vous voulait nous fausser compagnie, monsieur Poulton, que voici le tueret. Vous paraissez aimer le silence. Nous réfléchissons. Et à quoi réfléchissez-vous? Je pensais que c'est un imbécile. Merci. Si tu n'avais pas parlé à Pickering, on serait bien à l'abri maintenant. Taisez-vous, ça suffit. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous. Quelqu'un a enlevé Westerman à notre barbe. Je veux cet homme, Booker. Oui, je veux ce Westerman. Oui, et je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Nous sommes seulement intéressés par l'un de vous. Et que ferez-vous de l'autre? C'est lui qui vous le dira. Alors? J'ai bien peur que notre ami ait été un peu contrarié quand je lui ai avoué notre échec. Quant à vous, messieurs, j'ai idée que l'un de vous deux a une fortune suspendue à ses lèvres. Vous pourriez nous dire ce que vous allez faire? Eh bien, pour l'instant, je vais vous faire fouiller, s'il te plaît, Sarah. Debout, tous les deux, et vite. Et qu'aspirez-vous trouver? De quoi vous identifier, pour commencer? Il suffirait de nous le demander. Oui, bien sûr, voyons. Je m'appelle Sterling. Craig Sterling. Et ceci vous prouve qui je suis. Westerman. Paul Westerman. Les trois brutes qui m'ont attaqué savaient ce qu'elles faisaient. Tout est allé de travers, Sharon, de travers. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Coïncidence? Non, pour être au bon endroit à la bonne heure, ces hommes connaissaient sûrement tous les détails. Alors, je suppose que Westerman, elle leur avait donné. Et tu ne sais rien de Craig? Non, à vrai dire, je ne pense pas qu'on le laisse envoyer de ses nouvelles. Et Craig ne voudra pas quitter Westerman, quoi qu'il fasse. Non, non, et il veillera à ce qu'il n'ait pas le moindre ennui jusqu'à ce qu'il trouve la pellicule. Alors, que fait-on? On devrait essayer de joindre Craig. Eh bien, oui, c'est ce que je vais essayer. Tu me renvoies? Oui, oui, j'ai été ravi de te revoir, Sharon, mais je crois qu'il vaudrait mieux que tu rentres à Genève, convaincre Tremaine que tout finira bien. Entendu. Si tu le veux, je rentre. Je pense que tu sais quoi faire. Non, Sharon, non, je n'en sais rien. Tu n'as aucune idée? Il y a deux organisations. Les deux veulent tirer Westerman de là, et l'une est la nôtre. À part nous, je ne vois qu'une seule autre personne qui soit intéressée. Je t'appellerai. Mais je n'ai pas vu Westerman, Monsieur Barrett. Je vous assure que c'est vrai. Mais vous aviez dit à notre dernière entrevue que vous vouliez le voir. Et aujourd'hui, il est libre. C'est exact, Monsieur Barrett. C'est exact. Mais je ne sais rien. Rien du tout qui puisse vous rendre service. Il est probable que ça vous surprendra de savoir que mon organisation avait arrangé l'une des tentatives de cette nuit. Mais nous cherchons qui avait pu monter l'autre. Alors, je crois qu'il faut penser à ceux dont je vous ai parlé. Les services secrets britanniques, hein? Vous savez, Monsieur Barrett, la seule consolation à propos de ce mystère, c'est que c'est vous, au fond. Oui, vous qui êtes venu à ma version des faits. Bien, je vérifierai chaque version, Monsieur l'ambassadeur, jusqu'à ce que j'ai tout découvert. Ah, Monsieur Westerman. Monsieur Booker.
Avant que nous continuions à vous soumettre à ce petit interrogatoire, je crois que je vais vous donner une dernière chance de me dire ce que vous savez. Je vous aiderai avec plaisir, Monsieur Bouquer, mais je vous assure ne rien comprendre du tout. Alors dites-moi pourquoi on vous a fait sortir. Je ne le sais pas encore. Bon, soyez un peu lucide. Je me classe dans les réalistes. Vous représentez une forte somme, Monsieur Westermann. Et je veux savoir pourquoi. Alors je vais vous le redire, Monsieur Bouquer, je n'en sais rien. Ah, je vois. C'est dommage. Eh bien alors, si on regarde ce contrepoids, on pense qu'il devrait vous, vous tirailler les bras. Un peu. Ça nous montre que vous êtes un homme résistant. Oui, j'essaye de rester en forme. Mais vous ne pourrez pas supporter cette position pendant très longtemps. Je n'en doute pas une seconde, Monsieur Bouquer. Quand la moitié des poids sera placée dans ce panier, alors vos muscles commenceront à être si étirés qu'ils n'auront plus la moindre force. Et quand tous les poids seront mis dans le sac, vos membres seront... arrachés. Non, pas tout à fait. Mais je vous assure que vous nous aurez appris tout ce qui nous intéresse avant d'avoir perdu vos bras. Et comme je finirai par tout vous révéler, je m'éviterai des ennuis en le disant tout de suite. Exactement. Il y a un seul défaut, Monsieur Bouquer, c'est que je ne sais rien. Vous ne me croyez pas. Ah, voulez-vous m'excuser un moment? Téléphone. Où en est-il? Il résiste pour l'instant. Où est Starling? Il est enfermé dans sa chambre. Nous vous quittons un moment, Monsieur Westermann. Réfléchissez bien avant que je revienne. Booker, oui? Garcia à l'appareil. Tout à l'heure, j'ai reçu un visiteur ici à l'ambassade, Booker. Et ce qu'il a dit me laisse à penser que vous pourriez peut-être essayer de me tromper. Pourquoi voulez-vous que je fasse ça? On m'avait raconté que... Westermann avait disparu la nuit dernière après cette bagarre. Ce visiteur était un membre d'un autre groupe qui lui aussi l'a perdu. Il faudrait donc croire qu'il y a une troisième partie en jeu. Oui, je m'y refuse. Je m'y refuse catégoriquement, Booker. Je n'ai jamais essayé de jouer double jeu. Je serais déjà mort si j'avais essayé. Bien. Alors, si vous arrivez à me faire savoir où est Westermann avant, disons, la demi-heure qui vient, Booker... Je pense que je saurais oublier les quelques faiblesses que vous avez eues au cours de cette affaire. Je voudrais voir Pickering seul. Voyez-vous, je sais qu'il a d'importants problèmes. Oui, entendu. Vous avez appris l'évasion. Oui, c'est terrible, terrible. Je suppose que vous n'avez rien vu de suspect quand vous étiez avec eux. Je viens ici seulement pour le salut de leur âme. Oui, bien sûr. Ça va, viens avec moi, Philippe. Allez, vite. Lève-toi au moins, Pickering. Tu pourras être respectueux tout de même. Il le faut, je ne serai pas loin. Merci. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? Je viens vous voir au sujet de l'évasion. Attendez, attendez, asseyez-vous avant de dire des bêtises. Ce que je voudrais avoir, c'est une petite précision sur l'accueil qui leur a été fait. Vous étiez au courant de l'évasion, Pickering. Moi? J'en savais rien. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Disons que j'ai des antennes. Dans ma position, je pourrais vous être utile. La soutane d'un religieux lui donne de l'importance et... J'ai appris que vous avez joué un rôle intéressant dans la préparation de l'évasion. Alors, vous n'allez pas croire que c'est vrai? Tout le monde savait ce qui se passait. Oui, mais c'est vous qui l'avez dit à l'extérieur. À qui? Entendu, entendu. Dans ce cas, je ferai en sorte que votre remise de peine soit refusée. Booker. Alfred Booker. Où pourrais-je le trouver? Ça alors, c'est facile. Rien de plus simple. Alfred Booker est bien connu des autorités. Vous en avez assez, Monsieur Westermann? Oui. Oui. Oui, comme vous le dites, Monsieur Booker. Alors dites ce que vous savez, nous vous détacherons. Vous devez être dur d'oreille, Monsieur Booker. Je ne sais rien du tout. D'accord, Monsieur Westermann, c'est vous qui l'aurez voulu. Thank you.
Vous allez parler ou non? Vous avez un malaise? Oui, oui, je crois. Mais ce n'est rien à côté de ce que d'autres endurent. Peut-être bien qu'il ne sait rien, au fond. Qu'en pensez-vous, monsieur? Non, nous allons patienter encore. Que se passe-t-il encore? Il vaut mieux s'arrêter là. Je vais le livrer à Garcia. Alors, vous voyez, mon ami, j'avais promis que je vous tirerais de là. Et lui, qui est-ce? Craig Sterling, il m'a fait évader et je ne sais pas quel est son rôle. Heureux de vous revoir, Westerman. Il vous a fallu du temps, monsieur l'ambassadeur. Il faut en blâmer ce grippe-sou qui a voulu me tromper. Vous êtes Westerman? C'est exact. J'ai changé nos identités, mais je m'attendais à ce que tu protestes. Tu m'avais bien doublé. Mais surtout, j'avais un investissement à protéger. Mais vous aviez dit que Westerman avait un objet d'une très grande importance. Vous avez eu cette impression? Excellent. J'ai trouvé plus sage de vous le faire croire. Et lui, qui est-ce? Ce qui est important, c'est savoir si c'est quelque chose. Non. Attendez un moment. Moi aussi, j'ai à parler. Tu sais que tu me dois quelque chose. C'est lui ton payeur? Il ne paiera rien, Sterling. Au revoir. Oui, mais moi, qui me paiera? Bon, vous adressez-vous à cet homme? Mais vous ne comptez pas sortir d'ici comme ça? Ne nous retirez pas, monsieur Booker. Croyez-moi, ça n'arrangerait pas vos affaires. Adieu, messieurs. J'ai apprécié votre excellente compagnie. Alors, c'est lui qui va payer, sinon nous avons travaillé pour rien. Il faut lui trouver un autre divertissement, ou alors il s'ennuiera. Faites ce que je dirai, Booker, ou je vous brise la nuque. C'est ça. Restez tranquille, Booker. Avancez. Avancez, Booker. Continuez comme ça. Ça va me faire réellement plaisir, monsieur Poulton. Votre escapade a assez duré, Westerman. Vous perdez votre temps, Barrett. Westerman est un membre du corps diplomatique. Il a été naturalisé citoyen de notre pays. Aucune de vos lois ne le touche. Ce sera aux tribunaux d'en décider. C'est un ancien prisonnier. Vous pouvez l'innocenter, mais il y aurait de la publicité. Alors, tu étais dans le coup, Sterling. Oui, Westerman. Et maintenant, tu vas rester ici avec nous. En ce qui me concerne, Il nous serait difficile de retenir un ambassadeur, n'est-ce pas? Vous comprenez vite, Barrett. Désolé que ça n'ait pas réussi, seigneur. Oh, on ne gagne pas à tous les coups, vous savez. Au revoir. Après toi, Westerman. Entrez. Vous avez fait de très bon travail, Craig. Merci, monsieur. Oh, et vous aussi, Richard. Ah, merci. Alors, il n'y a eu aucune photo prise par Westerman? Aucune. Et ils ont organisé ce cambriolage en pensant qu'ils nous tromperaient avec l'enregistrement? C'est ça.
Et leur plan a échoué. Et en plus, maintenant, ils n'ont plus de raison de rompre leur relation avec la Grande-Bretagne. Non, non, ou alors ils risqueraient de perdre toute l'aide financière qu'ils reçoivent. Alors, il n'y aura pas de course internationale pour essayer de vendre des armes dans ces régions. Eh bien, les négociations en vue d'un nouveau traité ont recommencé à Londres dès hier. Et les sources officielles laissent entendre partout que cette fois-ci, elles seront enfin couronnées de succès. Oh, nous verrons ça. J'aimerais faire développer ce film. Comment? Mais je croyais que... Ce sont de simples photos de Craig durant les dernières vacances, en train de plonger. Ah oui,